Ce rapport synthèse remis au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, chargé de la réforme de l'État et de la sécurité sociale, Firmin Ayessa, vise à numériser, interconnecter et moderniser ainsi les services publics. On a parlé de l'informatisation de la fonction publique, on a parlé du répertoire interministériel des métiers. Ces métiers doivent évoluer parce que les besoins des populations évoluent aussi. Donc il faut faire des adaptations. Je vous ai parlé aussi du statut général actuellement en cours qui doit être revisité. Réceptionnant ce rapport, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a pris l'engagement solennel de mettre en pratique les recommandations faites par le groupe de réflexion qui a planché sur les actions prioritaires de ce ministère durant 5 jours. Vous voici donc arrivé à la fin de votre réflexion. Cette réflexion qui est couronnée de recommandations et de propositions. Et j'espère que ces recommandations et propositions vont dans le sens de la mission telle que nous vous l'avons confiée. Moi qui le reçois et certainement l'ensemble du gouvernement, nous allons faire de ce rapport notre meilleur profit. Ces réformes attendues par tous devront permettre à la fonction publique de s'arrimer aux réalités de l'informatisation de ses services, la traçabilité des dossiers et l'adéquation avec les métiers innovants qui ne s'adaptent pas encore au statut actuel de ce département ministériel.